blanc, vert. La Côte d'Ivoire. Eh bien, famille, la Côte d'Ivoire est un pays situé en Afrique de l'Ouest, bien évidemment. Maintenant, nous allons parler de la superficie de la Côte d'Ivoire. Je sais que mes frères camerounais et mes frères gabonais, ils attendent comme ça la superficie de la Côte d'Ivoire. On continue, famille. Ouais. 322 462 km². Ouais. Mais quand même, on est grand que le Gabon. Ça, c'est un point. Bon, pour le Cameroun, c'est pas grave. Tiens. On continue, famille. Eh bien, famille, en 2021, la population ivoirienne était de 27 480 000 habitants. On espère que, en 2023, on est monté à 29 millions. C'est ça! On appelle un équilibre entre superficie et population. Vous voyez un peu de qui je parle? Moi, les Gabonais vont me frapper un jour. On continue, famille. Eh bien, famille, le président de la Côte d'Ivoire, c'est un président, bien sûr, c'est son excellence, Alassane Ouattara. On continue, famille. Eh bien, famille, faut savoir que Yamoussoukro est la capitale politique de la Côte d'Ivoire, mais Abidjan, que voici, est la capitale économique de la Côte d'Ivoire. Abidjan, tu as pensé que tu es quelque part à Washington. Pourquoi? On continue, famille. Eh bien, famille, comme beaucoup de pays en Afrique, la Côte d'Ivoire a beaucoup d'ethnies. La Côte d'Ivoire compte 69 ethnies qui sont réparties. Vous voyez, il y a les Akans, il y a les Mandingues, il y a les Kou, il y a beaucoup, beaucoup d'ethnies en Côte d'Ivoire. Famille, on continue. Famille, concernant les langues les plus parlées en Côte d'Ivoire, voilà, il y a le Djoula, vous savez, il y a aussi le français. Mais nous tous, on sait en Côte d'Ivoire que c'est le Nouchi qui est la langue la plus parlée. Quand était Kouman, elle était pas au courant. Elle était pas dans un mouvement, mais on continue, famille. Eh bien, famille, la loco est l'une des nourritures les plus consommées en Côte d'Ivoire. Mais ce n'est pas la nourriture la plus consommée. Hein. Je te montre maintenant la nourriture la plus consommée en Côte d'Ivoire. On continue. Eh bien, béni soit celui qui a créé le garba. Le garba, à checker un poisson. C'est la nourriture la plus consommée. Eh ça, toi, tu es ivoirien, tu envoies ta femme manger shawarma. Tu peux pas l'envoyer Saint-Valentin là, tu es ivoirien. Invite-la à manger garba. Tu emballes garba dans sachet, tu lui donnes ça son cadeau de Saint-Valentin. On continue. Mon frère, si tu arrives en Côte d'Ivoire, faut pas tomber amoureux d'une fille qui vient de cette commune-là, Yopougon. Si tu as tombé amoureux d'une fille de Yopougon, tu n'as pas déposé bouillie au village, oh. Tu vas retourner dans ton pays avec sachet. Tu as compris? Ok. On continue.